L'histoire des Kobelewo, nous ne comprenons pas assez de choses dedans. Parce que, en réalité, je pense que ces Kobelewo devraient exister il y a un peu longtemps. Mais ces derniers moments, la forme sur laquelle ça apparaît dépasse un peu notre entendement. Parce que les Kobelewo, si nous voulons bien le dire, ils ont des devanciers. Les devanciers, c'est qui? C'est nous les Dozo. Bien avant que les Kobelewo n'apparaissent, les Dozo ont toujours contrôlé. Et nous avons appliqué avec le respect, d'abord en créant l'association, en approchant le ministère de la Sécurité, obtenir notre récépissé légalement. Voilà pourquoi nous avons initié la formation de police de proximité. Ce qui parle comme action, c'est bien. Mais est-ce que réellement c'est arrivé? L'attente de la population, c'est une très bonne chose. Mais il n'y a pas que seulement les villageois. Le Burkina Faso, c'est l'ensemble. Il y a les lois, il y a les autorités. Il faut tout respecter. Quel qu'en soit ce que nous disons aujourd'hui, il faut d'abord rendre hommage à l'autorité burkinabé. De l'armée, la gendarmerie, la police, à tous ceux qui ont contribué. Pour la question de l'insécurité dans la sous-région, quand même le Burkina Faso, nous ne disons pas que nos forces de l'ordre sont mieux que les autres, mais néanmoins, nous qui avons vécu, voyagé beaucoup de pays, nous savons qu'au moins nos forces de l'ordre fournissent beaucoup d'efforts. Ils fournissent beaucoup d'efforts pour le maintien de la paix au Burkina Faso. Donc quand on vient pour les accompagner, il ne faut pas faire semblant comme s'ils n'existaient pas. Il ne faut pas apparaître pour dire que rien n'a été fait. Si aujourd'hui il y a la paix au Burkina, quels sont ceux qui sont devant? Ce sont nos forces de l'ordre, ce sont nos autorités qu'il faut rendre hommage et qu'il faut respecter. Maintenant quand on parle de contribution, c'est pour les accompagner. Il faut approcher le ministère de la Sécurité. Présentez vos objectifs. Pour obtenir un récépissé, le ministère, les techniciens du ministère vont vous dire quels sont vos droits et quelles sont vos limites. Mais si vous vous organisez sans responsable, sans obtenir un document, il est difficile de dire que ce que vous faites est bien. Aujourd'hui, les gens ont tendance à confondre les Kobelewo et les Dozo. Les Kobelewo et les Dozo, nous pouvons être pareils s'il s'agissait de respecter l'autorité. Il n'y avait pas de problème. Mais s'il faut dicter ses propres lois, depuis la nuit des temps, nous avons toujours arrêté des bandits, mais nous n'avons jamais, au grand jamais, demandé, imposé quoi que ce soit, et fait le rôle de la justice et en même temps le rôle du justifié. Donc, de ce côté, le Kobelewo ne sont pas initiés tels que les Dozo s'initient. Alors, on l'appelle Kobelewo, c'est vrai, mais je me dis que bien avant cela, les chefs de village étaient d'abord encadrés par des torsés en pays, mais aussi les torsaba ou autres, qui protégeaient déjà les localités. Donc, quand ce phénomène apparaît subitement, ça prend trop de l'ampleur. Et le plus dommage de tout ça, c'est la détention illégale des armes à feu. C'est ce qui est beaucoup plus inquiétant parce que nous, au niveau de la confrérie Dozo, à chaque fois nous avons connu des difficultés. Et quand un Dozo porte une arme, il n'a pas un permis de port d'arme, si l'autorité l'arrête, alors il faut aller vers l'autorité, comprendre pourquoi il a fait. Mais il ne faut pas dire que l'autorité ne fait pas son travail. Donc il ne faut pas défier l'autorité. Il faut appliquer. En voulant contribuer, je pense que c'est un travail de volontariat. Nous voulons bien faire, nous voulons être utiles pour notre nation. Mais quelque part, il n'est pas à nous de rendre justice. Donc, le Dozo, vous l'avez dit, il est initié à Bazance.
Le dozo, c'est l'homme qui doit avoir la maîtrise de soi, le respect divin de la tradition et de la hiérarchie, et de la nature, de l'environnement. Maintenant, si nous avons des gens qui apparaissent, qui se disent qu'on veut c'est bien, mais est-ce que réellement, s'ils ont été initiés, respectés mutuellement leurs confrères, respectés, qu'un dojo, en principe, n'a pas de distinction de race, ni d'ethnie, ni de frontière. Donc, dans la confrérie dojo de l'Union nationale, on a plus de 40 ethnies. Donc, pour dire la question des Kogolo-Ego et les dojo, nous ne sommes pas pareils. Maintenant, il y a une confusion. Si cette organisation se crée quelque part et qu'il y a des gens qui détiennent les tenues traditionnelles des dojo, ils portent et ils se mélangent avec ces Kogolo-Ego, ce qui fait que les gens voient un peu parmi eux les tenues dojo. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vient de Côte d'Ivoire, qui était dojo là-bas. Il vient dans son village, il a sa tenue dojo. Il comprend qu'il y a une organisation de sacerdotes et Kogolo-Ego, il va adhérer, il porte la tenue dojo. Donc la question de Kogolo-Ego, nous laissons à ma connaissance l'administration, l'autorité, trancher cette histoire. C'est très bien de contribuer, mais ce que nous voulons, c'est de mieux le faire. Alors, s'ils sont initiés, pourquoi depuis la nuit des temps, les autorités n'ont pas eu de problèmes majeurs, de problèmes graves avec les dojo? Ça ne veut pas dire que nous dormons. On dort. Vers Kamti, nous avons eu des chefs dojo qui ont commis l'erreur avec l'autorité et ils ont été arrêtés, mettre en prison. Au niveau de Touba, nous avons des dojo qui a été arrêté, mettre en prison. C'est pour dire que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, nous ne pouvons pas se lever tout de suite, gréver, mobiliser 100 dojo ou 200 dojo pour dire vous avez arrêté un de nos éléments parce qu'il a faussé. Non, il faut toujours suivre la loi. S'il est en erreur, il faut au moins demander clément auprès de la justice, reconnaître les erreurs. Là, au moins, c'est une collaboration. Mais dire à la justice qu'il ne fait pas son travail, que c'est nous-mêmes qui allons le faire, nous ne le faisons pas. Donc la porte est ouverte, grandement ouverte. Nous allons toujours accompagner le ministère de l'Environnement, de la Sécurité, pour au moins encadrer ces bonnes volontés qui sont dans la confrérie des Kogolo-Ego. Il y a de bonnes volontés. Il y a des bonnes volontés, mais seulement qui ne comprennent pas que bon, il y a des limites dans tout ce qu'ils doivent faire. Sinon, on ne les rejette pas. Ils font partie, c'est des Burkinabés qui ont eu le courage, qui veulent vraiment contribuer. C'est déjà une bonne chose, une bonne action. Mais qu'ils aillent toujours vers l'autorité pour être à jour, pour mieux exercer. Les Kogolo-Ego peuvent se faire bien entendre. Ils peuvent se faire bien entendre à travers les chefs traditionnels. Ils peuvent se faire entendre par les autorités politiques, les députés, qui peuvent les approcher pour voir comment ils peuvent les encadrer. Mais il ne faut pas se lever pour dicter sa propre loi. C'est ce qui fait la différence. Donc je ne trouve pas vraiment que ce soit forcément une bonne action de brûler et de saccager tout parce que l'autorité a arrêté quelques éléments. Il faut toujours approcher l'autorité. Vous avez arrêté nos gens, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les libérer, mais on peut toujours dialoguer. L'autorité est disponible pour dialoguer avec la société civile. Mais il ne faut pas commencer. Tu peux te manifester, casser, et même après te rendre compte que toi-même tu n'as pas raison, c'est l'autorité qui a raison. En ce moment, tu vas réparer pour toi. Donc, que ce ne soit pas pour le goût ou autre, si j'ai vraiment un appel à donner à toutes les jeunes citoyens burkinabés, ceux qui sont appelés un jour à manifester ou à marcher, qu'ils le fassent une bonne marche pacifique, mais il ne faut pas toujours casser ni brûler, ce n'est pas ce qui est toujours conseillé.